Ici Zero Day. Ces petites explosions étaient ma façon de vous dire bonjour. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, mais je fais ça pour le bien de tous. La destruction est toujours la solution. D'autres bombes viennent d'être activées. Ça risque de compliquer les choses. Il y en a partout dans Londres. Londres est dans une spirale infernale. Pendant que les autorités poursuivent notre groupe pour des crimes que nous n'avons pas commis, les mercenaires d'Albion et le clan Kelly... Laissez-moi partir. ...contrôlent la ville et agissent dans leurs propres intérêts. J'ai pas posé cette bombe. Je l'ai désamorcée. Quelle différence ça fait, après tout? Mais ce n'est que le début. La vraie menace est Zero Day. Si vous ne m'aidez pas, Zero Day va gagner. Et nous allons tous mourir. Nous devons le combattre. Pendant que vous courez partout pour essayer de sauver Londres, vous nous renforcez. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces? La seule façon d'empêcher Londres de tomber dans l'oppression totale est de recruter. Et de reprendre la ville. Bienvenue chez DeadSec. Vous pensez toujours pouvoir sauver Londres. J'ai bien peur que cela n'arrive pas. Assez discuté. Il est temps de sauver Londres. Le mec, il doit câbler de voir sa moto complètement déraillée. Ah, c'est vraiment génial. Allez, vas-y. On va aller faire un petit tour en moto. Ouais, mais d'abord, on va de suite aller mettre le radar itinéraire routier, parce que le jeu se passe à Londres, et à Londres, on roule à gauche, et j'arrive pas à m'y faire dans les GTA-like. Enfin bref, salut tout le monde, c'est X-Rouge, et bienvenue pour ce gameplay découverte de Watch Dogs Legend sur PlayStation 4, édité et développé par Ubisoft, sortie officielle le 29 octobre 2020, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Agréable note de 15 sur 20 sur Metacritic. On se retrouve avec un Watchdog qui repart sur un scénar plutôt sérieux, comme nous avait inspiré le premier du nom avec Aiden Pierce. On lâche un petit peu le côté extravagant, le côté comique avec Marcus Holloway dans le volume 2. Mais c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Watch Dogs Legion nous tire son nom du principe de se créer sa propre armée. Pour vous citer un petit peu le pitch, vous êtes dans la ville de Londres et vous allez devoir récupérer des quartiers en faisant différentes missions, mais j'y reviendrai plus tard. Le principe reste le même que les deux opus précédents. Votre téléphone est votre arme la plus puissante, même si l'ajout d'armes à feu et le principe de la létalité s'est accentué avec le temps. On passe d'un Aiden Pierce, protagoniste du 1, qui évite de tuer les gens en assommant les types avec une matraque télescopique, à un petit gangster des rues qui commence à utiliser un yo-yo, mais aussi des armes létales pour flinguer ses adversaires. Là, c'est un mix des deux. Même si je suis actuellement équipé d'un pistolet qui me permet d'envoyer uniquement des charges électriques, certes, ça les tue, mais le jeu considère que c'est moins létal quand on ne tire pas des balles dans les gens. Là, je dois infiltrer du coup une base pour récupérer quelques données, et toutes ces missions me permettent du coup de me faire un nom. Pour en revenir du coup à ce fameux pitch scénaristique, il y a un grand hacker terroriste qui sème le chaos dans la ville, et les habitants se demandent où est DeadSec, vont-ils les sauver, et DeadSec répondra forcément présent. À savoir que DeadSec était l'unité de hackers, un petit peu comme les Anonymous chez nous, qui ne se font pas vraiment connaître du grand public, mais qui agissent généralement
pour le bien de tous, malgré des actes un peu illicites. Mais bon, c'est tout pardonné, vu que ce sont censés... Ils sont censés être les gentils de l'histoire. Je ne vois aucune approche sur les caméras, donc... grosse nouveauté, la petite araignée mécanique. Je me suis quand même fait repérer. Faut pas que je confonde les civils et les soldats. Alors, on va pirater ça. Ça doit être sous mes yeux le déclencheur pour désactiver les portes. Mais je l'avais pas vu. Bah en fait, ouais, il était là. Voilà, on va pouvoir mieux négocier ces types. Il n'y a pas vraiment de héros particulier, comme je vous ai dit, vous pouvez recruter absolument qui vous voulez. Dans l'édition sur PlayStation 4 Basic Standard, vous avez déjà un héros dit légendaire avec plusieurs capacités. Toutes les personnes du jeu ont des passifs qui vous permettront d'analyser en fonction des situations, d'appliquer certaines facettes du jeu. Quand un de vos personnages se fait capturer, ou même pourrait mourir en fonction de la difficulté que vous allez mettre, facile, normal, difficile, ou vous pouvez mettre aussi un mode mort instantané quand ils se font capturer et vous perdez votre personnage. Si vous êtes un petit peu trop attaché au personnage que vous voulez EP durant le jeu, un peu comme moi, vous pouvez mettre le mode invulnérable et ils finiront juste en prison, ils ne se feront pas carrément trucider. Tu crèves quand tu veux, merci. Le personnage que j'incarne est donc un des personnages que nous offre du coup l'édition sur PlayStation. Le jeu coûte bien entendu le prix fort à 69,99€ et vous occupera environ 40Go de votre espace de stockage pour la première mise à jour du jeu. Vu que le test je le fais quelques jours avant sa sortie, c'est pour l'instant la première mage qui nous est donnée. Il y a certains bugs de collision, une IA un petit peu dans les choux. Et parfois, quand on ne fait rien, c'est assez drôle de voir les civils se rentrer dedans, créer des accidents eux-mêmes, alors qu'il n'y a rien qui est hacké. Il n'y a aucun feu rouge qui passe au vert dans un croissant ou autre, et pourtant il y a des accidents. C'est assez bizarre. Ça rajoute une pointe d'autonomie de la part du CPU, mais enfin, je sais pas, je pourrais un petit peu m'en passer. Les points tech que vous voyez à droite, que je viens de récupérer, sont des points qui me permettent, une fois que je vais à la base, d'améliorer mon personnage. Là, mon personnage ne peut avoir qu'une araignée mécanique et un pistolet qui lance du Taz. Si j'ai plus de points, je pourrais lui donner des armes létales ou d'autres passifs, bien entendu. En fonction de la personne que vous voulez recruter, il aura différentes capacités, différentes techniques. Et je voulais terminer cette mission histoire de vous montrer cette phase d'infiltration, certes un peu ratée, mais je voulais aussi vous montrer comment on recrute quelqu'un, et n'importe qui peut être recruté dans la rue. Mais là justement la mission tombe bien, vu que je dois recruter un ouvrier du bâtiment. Je pense qu'il doit y en avoir un autour de moi, vu que ce n'est pas indiqué sur la map. Ouvrier du... Eh ben voilà, on y est. Ah, il a quand même 4 passifs. Ça a l'air pas mal. Quand vous voulez recruter quelqu'un qui vous semble intéressant, vous le spottez et vous allez vers lui pour lui parler. Chaque personne, chaque citadin vous demandera de faire une à deux missions spécifiques pour lui, pour lui rendre service, pour lui montrer que vous êtes, comment dire, assez enjoué à l'idée de l'avoir dans vos rangs chez DedSec et de vous montrer capable, à la hauteur de ses espérances, pour lui dire « Ah bon, chez DedSec, ils se démènent, ils se sortent les doigts, je vais quand même les rejoindre et mettre mes capacités personnelles à contribution. » Le jeu offre vraiment ce côté un petit peu néon cyberpunk dans tout le développement, dans toute l'avancée de l'histoire. Vous voyez des images un petit peu parfois qui bug depuis le début, que ce soit quand je finis des missions ou quand il y a des dialogues. C'est intégré au jeu, ce n'est pas un bug d'image. La Légion, revenons-en. Comme je vous ai dit, on peut recruter absolument tout le monde. Elle ne vous empêche de recruter, que ce soit justement des ouvriers en bâtiment, des médecins ou autres. Ils ont tous des compétences particulières et des passifs qui leur est propre. Certes, je me répète un peu, mais c'est vraiment très crucial et vous le comprendrez au fur et à mesure de votre avancée du jeu.
les quartiers sont à débloquer et vous allez devoir faire ces fameuses différentes missions, que ce soit donc du coup du sabotage ou de la neutralisation de VIP ou du sauvetage tout simplement. Il y a différents types de missions qui vous permettront de débloquer directement, qui sont attribuées en tant que mission secondaire à du phasing map en fait. Vous allez dans un nouveau quartier qui est beaucoup plus surveillé, mais si vous faites ces missions, vous allez amoindrir les forces autoritaires ennemies qui vous guettent, qui vous traquent, et vous pourrez ainsi continuer à progresser dans le jeu, scénaristiquement parlant, mais c'est assez utile de pouvoir s'ouvrir la voie, comme on dit, pour pouvoir faire toute l'histoire tranquille, sans accroc. Vous pouvez le voir, bon, certes, c'est un scooter, ça va pas bien vite, mais c'est un bel open world quand même qu'on a, je trouve. Franchement, ils se sont pas foutus de nous, Ubisoft, c'est assez cool. Le jeu est plutôt quand même assez beau, ça vous permet un petit peu de voir l'envers du décor. Mais bon, on n'est pas non plus sur le jeu le plus beau de l'année, clairement. Ce n'est sans rappeler les fameux E3 qui nous avaient déçus au tout début. Où est-ce que c'est là-bas, voilà. Alors, vous avez différents stands. Et vous pouvez vous acheter différents vêtements pour customiser votre personnage. Même s'ils ont leur accoutrement de base, ce en quoi je le laisse. Je joue assez RP, moi je bouge pas ce qu'ils ont déjà sur eux. Mais s'ils vous prennent l'envie de leur changer, que ce soit haut, bas, veste, chaussures, masque, lunettes, eh bien il y a même différentes marques qui vous permettent de pouvoir les customiser. Des marques, bon là comme vous pouvez le voir, Ambelia là, c'est plutôt quelque chose d'assez girly. Oh, il y a le chapeau de Luffy. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, que ce soit du rock ou autre, hein, ça c'est quoi déjà? Ouais, ça a l'air plutôt d'être un truc un peu rasta. Oui, vu la dégaine, ça a la couleur un peu jamaïque. On dirait pas réellement. Ah si, peut-être un peu. Enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment tous les styles pour pouvoir customiser le personnage comme il vous plaît. Certes, le visage ne peut pas être changé, mais si vous le trouviez moche de son apparat, ouais, je peux comprendre que certaines personnes, certains joueurs, quand ils recrutent par exemple un clochard qui au final a de très bonnes stats pour pouvoir aider, bah ça peut être pas mal aussi de, de leur habiller. Est-ce que on peut nager ? Oui, on ne meurt pas. On ne meurt pas, on peut nager. Ah, je découvre en même temps. Hein. Ce point-là, je ne me rappelais pas s'il avait été montré par Ubisoft. Ah non, il y a un petit rebord, fallait passer par là. Donc après, rien ne vous empêche de passer d'un personnage à l'autre pendant que vous êtes en phase de... En phase de gameplay, même si de base les personnages n'auront pas les mêmes armes sur eux. Si vous ne l'avez pas équipé d'un pistolet quelconque, eh bien la personne que vous allez incarner se retrouvera à poil devant un ennemi. Et ça c'est fort possible, hein. Faut vraiment équiper chacune de vos personnes, on est vraiment sur un côté tactical gestion pour les personnages. Et c'est pas plus mal en vrai. Aussi cette petite animation de mettre son masque, un peu comme Aiden et Marcus le faisaient en se mettant un bandana jusqu'à hauteur du nez, nez couvert, juste avec les yeux apparents, c'est assez cool. Là ils se mettent un masque, c'est un petit peu l'animation à la Payday quand ils commencent à faire un braquage, ils savent qu'ils vont faire quelque chose d'illégal, donc on se cache, on préserve l'anonymat. Ils finissent toujours assez brutal, avec un petit bullet time pour ajouter ce petit côté impressionnant. Autre côté derrière la bagnole. Hop là. Et voilà, je t'ai fait écraser. Mais par contre, je me suis fait repérer du coup. Vous avez, si vous le voulez, moi je le conseille, parce que c'est pas évident. C'est bon. J'avais réussi à le pirater, j'avais peur que
à contre-écran. Je suis en train de me faire démonter. À contre-écran, il ne m'échappe pour le piratage, le drone. Je vous conseille de mettre la visée automatique. Vous avez un aim direct. Vous savez, comme dans GTA, en fait. Vous pouvez, quand vous visez directement la personne. Ça vise pas la tête, ça vise au moins le corps, mais c'est déjà ça. Avec le recul de la première balle, la deuxième touche souvent la tête. Hauteur menton, on sait toujours que c'est considéré comme un headshot dans le monde du jeu vidéo. Il y a toujours cet effet parcours, et comme vous avez pu le constater quand j'étais dans le canal, rien ne m'empêche d'aller grimper sur les toits s'il y a des surfaces qui peuvent être escaladées. Vivement que je change d'arme. Au début du jeu, on vous fait commencer avec quelqu'un qui est assez avancé dans le niveau de chez DeadSec. Il a carrément aussi un pistolet mitrailleur. C'est plutôt sympa. Allez, toi, on va s'occuper de toi gentiment. Au final, il m'a repéré, quoi. C'était le jeu du chat et la souris, quoi. Une bonne chose de faite. Je suis un gueudin, moi je pète tout. Est-ce qu'il y a une porte par là? Il y a certaines portes sur lesquelles on peut y accéder, mais c'est mal fichu ça encore. Il y a certains immeubles où est-ce que l'on peut rentrer, mais les portes paraissent complètement anodines. Donc on s'y perd un peu parfois. Heureusement que le radar est là pour vous le montrer et que vous avez votre scanner de façon infinie qui peut vous montrer où sont les ennemis, où sont les objectifs. Une simple pression sur R3 vous permet de voir tout ce qui vous entoure. Bon, on a fait un peu de ménage. Ah, ok. Par là. Ah, il y a les gros drones sur lesquels on peut monter. Mais je me fais en plus tirer derrière moi. Voilà. Mais ils sont où? Partout? Ah ouais, d'accord, mais t'étais là aussi. Sans déconner, il y a trop de monde là. Comment il tire lui? C'est pas comme ça que tu vas être plus précis. C'est bon? Personne? Voilà. Ça aussi, ce petit gadget qu'elle a là, cette espèce de bombe hein, qui explose à proximité, c'est trop bien. J'aurais dû même l'utiliser plus tôt. Donc, le fil rouge, il va vers le haut. Ok, c'est bon. On peut faire des jumps depuis une voiture jusqu'à un toit. Nota bene, hein, c'est toujours bien de le remarquer, quoi. Ça peut être un bon point quand on veut accéder à un endroit un petit peu trop haut. On sait que une voiture peut nous faire office de support. Allez, il est temps de remplir l'objectif. Bon, ça va, le chargement. Et mine de rien, on aurait pu faire tout ça bien sûr en infiltration, mais bon. On est sur du gameplay découverte, si on montre pas de la phase de fight, ça sert un peu à pas grand chose. Puis si, ça a été un petit peu de l'infiltration. Le premier, il a pas vu le coup que je lui ai mis dans le dos. Bon, le deuxième, on va pas en dire autant. Allez, cassons-nous. La mission est terminée. Voilà, parfait. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu l'histoire, ce qu'il faut faire avec les missions pour libérer la ville, comment recruter votre armée, comment la gérer avec les points. Je pense que je ne vais pas vous en montrer davantage, parce que voilà, après ça sera souvent répétitif, certes, mais franchement, il est vraiment kiffant. Moi, je le trouve vraiment aussi bien que le 2, même si le 1 m'avait un peu déçu, mais le héros Aiden, pour moi, avait fait... lui valait une bonne note rien que pour le héros, le charisme du héros. Mais bon, après ce n'est que mon avis. J'espère en tout cas que ce gameplay découvert vous aura bien plu. Et s'il vous tente, ben, n'hésitez pas franchement parce que en ces temps qui courent, avoir un jeu assez long pour nous occuper, c'est pas de refus. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao.
Speaking from a secure location,